Donc avant de terminer ce programme, qui nous l'espérons tous nous a plu, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur les professeurs de l'école du conservatoire de Montélimar, excusez-moi, qui ont spontanément, peut-être un petit peu sous le guide de Nicole, accepté ou volontairement sont venus jouer avec nous ce soir. Donc on fait cette répétition. Parce que c'est vraiment des moments sympas quand on se rend compte que le langage de la musique, finalement, est le même, quelles que soient les nationalités, ou quelles que soient les personnes et les difficultés. Donc je voudrais remercier tout d'abord Brigitte, au piano. Des personnes. Je crois que nos musiciens aussi méritent d'être présentés parce que pour chacun d'eux, c'est quand même une moyenne de 3 répétitions par semaine. C'est un fort engagement, c'est un gros travail, c'est du quotidien. La musique fait partie de leur quotidien. Et le résultat que vous avez eu ce soir, quand on a des enfants qui vont au conservatoire, qui vont en école de musique, je crois que les enseignants qui sont là en sont également témoins. Souvent, on est obligé de les tirer, de les motiver, de développer des trésors d'ingéniosité pour pouvoir les faire travailler, tout simplement. Et là, je n'ai jamais connu ça. Depuis 14 ans, c'est eux qui spontanément travaillent. Ils viennent à toutes les répétitions, sauf quand ils sont malades. Mais il faut vraiment qu'ils soient très malades. Et du coup, ben voilà le résultat auquel on arrive avec un travail régulier, avec une concentration à toute épreuve, n'importe où, dans n'importe quelle salle, dans n'importe quelle église où on peut jouer. Et le résultat de tout ça, donc je voudrais quand même vous présenter mes musiciens aussi. Donc je vais présenter celui pour qui c'est aujourd'hui ce soir un baptême, un premier concert, c'est Thomas. Qui sont 21 ce soir, qui sont au nombre de 22 normalement. Donc, ben on va commencer comme ça. Marie, Thomas, Julien, Mathias, Samuel, Simon, Claudine, Marie, Sophie, Laurent, Myriam, Jean, Carole. Charlotte, Jonah, Samantha,
suis sûre qu'elle a payé la claque ce soir. Hein. C'est pas normal. Donc, les musiciens qui prêtent concours à l'orchestre, qui sont là en complément des parties qui ne sont pas faites encore aujourd'hui et qui sont là en soutien. Donc, je voudrais tout d'abord présenter Mathieu à la batterie. Un accueil formidable. Merci aux professeurs et à la ville de Montélimar et à l'association donc, Trisomie 21 de nous avoir accueillis de cette sorte. Merci aux techniciens de cette salle parce que ce n'est pas toujours évident.